Hey, yo les gens, ici Gardoum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, alors cette fois-ci c'est sur un jeu que je connais pas du tout, il vient de sortir à l'instant même, il y a 4 minutes, Battlerite, c'est un early access hein, que j'ai. Et du coup, ce jeu serait le digne descendant de Bloodline Champion. Pour ceux qui ne connaissent pas Bloodline Champion, c'était des espèces d'arènes en mode MOBA, vous voyez de dessus, vous contrôliez un perso, full skill shot, ultra intéressant, mais qui n'a malheureusement pas eu beaucoup de reconnaissance. Je ne connais pas le jeu, je découvre avec vous, on fait le tutoriel. Donc voilà, petite vidéo pour le tuto. Si ça vous plaît, que le jeu vous tente, je pourrais refaire bien évidemment d'autres VOD avec grand plaisir. Alors ce n'est pas une OPSP, il n'y a pas de sponsoring, j'ai pas d'argent pour ça. Voilà, sachez-le. On va regarder la cinématique, ça me paraît cool. Cool. Le gagnant va gagner une place dans la ligue Battlerite. Yeah. Ok. Ah, c'est pas très centré. Ok, donc dès qu'on déplace ça sur un peu, l'écran bouge. Très bien. Donc pour l'instant, je peux pas bouger ni rien. Ok. Ok, start moving. Très bien. Ah, d'accord, ok, vous bougez avec le clavier en fait. Alors, par contre, va falloir que je change ça. Voilà, ça va être beaucoup mieux pour moi. Hop. Ok, les persos sont assez lents. Bon, il y a peut-être des dashs, etc. Je suppose. Hein. Qu'est-ce qu'on va y avoir? Ok, donc ça va être le clic gauche, je suppose. Attaque de base. New ability unlock, revolver shot. Trop bien. Ok, je peux spam en fait. Non, il y a un rechargement. Qu'est-ce qui se passe? Très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un temps de rechargement un peu étrange. Ok. C'est ça, elle doit recharger. Ah oui, il y a 6 munitions. D'accord, j'ai pas vu. Wow, par contre, il y a un peu de lag. Il y a un petit peu de lag, j'ai l'impression. Alors, attendez. Ok, je mets ça en pause. On se retrouve tout de suite. Je vais essayer de baisser les graphismes. Et re, ça devrait être un peu mieux. Alors, on a débloqué le clic droit qui fait quoi? D'accord, ok. Ça... Ok, faut bien viser pendant que ça charge. Ok, très bien. Intéressant, intéressant. Il y a des combos, il y a des trucs à faire qui vont être sympas, je pense. Vas-y, vas-y, dis-moi comment je peux esquiver là. Allez, fais mon esquiver, mec. Cooldown is reduced for cool. Ah, il faut que je vise. What? C'est très bizarre, ok. Non, ok, ça avait juste fait pause une fois pour rien. Faut que j'appuie une deuxième fois ou pas? Ok, non, j'appuie juste une fois, il y a un délai en fait. Il y a juste un petit délai. Regardez, hop. Très bien. Bon, il y a un petit délai, pas de galère. Hop, on peut devenir fufu. Oh, intéressant. Tout en invisible, dodge. D'accord, ok, en fait il me cible et faut que je devienne invisible à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je peux pas devenir visible là? Bah. Ok, ça proc après, c'est dommage. Ah, là je peux rien faire. Ah, c'est pas pratique en fait. C'est que le skill proc après, donc là faut que je fasse avant, non? Ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? C'est très étrange ce que ça me fait. Ah oui, j'ai bien compris que tu devais bouger, mais... On devient invisible. Allez. Allez. Pourquoi ça ne... Ok. Trop bizarre comme truc, ce que ça faisait. Étrange. Étrange autant que bizarre. Ah, mais vu qu'il y a écrit Q, est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas rester bloqué dessus? Bah oui, évidemment. Voilà, ça a beaucoup mieux marché comme ça. Ah, alors qu'est-ce qu'on va faire? Disabling. Très bien. Donc là il est silence. Et on peut... Ah ok, on peut rester spam en clic gauche, pas de soucis. Très bien. Très bien, très bien, pratique. Donc on a un silence. C'est étrange en fait qu'il y ait une perte de FPS, le jeu est pas moche mais... peut-être pas très bien optimisé. Allez, allez, je vais te montrer ce que je peux faire. Allez, je peux.
Et c'est quoi? Énergie display de bénéfice sur. Ok, si je touche, j'augmente mon énergie. Donc là, j'ai 2 barres d'énergie, presque 3. Très bien. Oh, c'est quoi ça? Ça se ramasse? Ah! Oh, intéressant! Ok, je veux bien. C'est quoi? C'est le F. Ouais. Pick up charm. Oh! What the? D'accord, ok, donc je peux viser entre deux, ça a une grande zone. Très bien, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et le R, c'est quoi? Parce que je l'ai pas. Ah oui, mais attendez, puisque le Z, c'est invoquer la monture. Ah, mais t'as W. Ok, bon, ça va être mieux là. Donc faut penser que ça change pas les touches automatiquement si vous avez déjà une touche utilisée. Vous avez juste une touche qui fera deux actions à la fois, quoi. Allez hop, go 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 go. Ni de taper le monstre, ni de taper le monstre, ni de taper le monstre, monstre, monstre. Ou allez, viens à moi, little monster. Defeat the enemy to win a round. 3 rounds win your game. Trop bien. Donc j'ai une monture, c'est cool. Ouais, c'est peut-être pas la folie ça. Très bien. Oh, salut. Ah, le fameux fufu. C'est intéressant comme truc, je peux le stun. On peut dodge comme ça. Est-ce que je peux l'anti-cast? C'est la question que je me pose. Ah, on peut, ok. Donc avec le E, je peux très bien l'anti-cast. Bon, c'est pas forcément suffisant, mais... C'est intéressant. Par contre, il y a vraiment des petits lags et... Bon, ça doit être dû au fait que le jeu est pas super optimisé. Du coup, avec le fait de record en même temps, c'est pas terrible. C'est pas la folie, je trouve, du coup, l'optimisation du jeu à ce niveau-là. C'est un peu dommage. Parce que j'ai un PC, bon... Je peux faire du Overwatch, je veux dire. Ça devrait pas poser de soucis, normalement. Donc peut-être un petit souci d'optimisation du jeu, tout de même. Mais le jeu a l'air bien sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en multijoueur. En tout cas, on finit le tutoriel. On verra ça un peu plus tard. Est-ce qu'il y a un ennemi un peu plus... Très bien. Oh, shit. Le petit fufu. Ah, je pensais qu'il était un hitbox, mais non. Soit. I am pretty nul. Là, j'avais pas de dash. Le dash était pas up avec espace. C'est gênant quand même. Et il ne décède pas, il ne décède pas. Oh, c'est gênant. Il y a vraiment, ouais, des petits gros soucis de framerate hein, à ce niveau-là. Waouh! Ah, ça. Ça ruine un peu l'expérience du jeu, je trouve. Alors, sans stream, il y aurait sans doute pas ça, bien évidemment. Enfin, sans le record. Mais c'est pas normal qu'il y ait un problème d'optimisation comme ça, je trouve. Voilà. Ouais, et pourtant j'ai mis tout au minimum au niveau des graphismes. Bon, c'est pas grave hein. Quand je ferai des vidéos de ça, il faudra que je fasse de moins bonne qualité. Ah, reflecting, très bien. Oh là 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 là. C'est très désagréable là, je dois vous avouer. Ah, pour jouer c'est On va dodge, voilà. Ok, ah oui, il y a des petits. Aïe. Mon... Ok, ça a arrêté mon ult, ça. Très bien. C'est pas bien violent, ok, bon. Il se calme ou. Non, c'est F. Et voilà, fini. Ouais, ces petites pertes de FPS sont vraiment désagréables, ça fait vraiment des petits lags, c'est pas super cool. Du coup, bah, évidemment, je ferai les autres vidéos dans une qualité moindre pour éviter ce souci-là, en espérant que ça vienne bien de ça. Le jeu me paraît quand même intéressant, vachement dynamique, il y a de quoi faire vraiment au niveau des dashs, du fufu, etc. Je pense qu'on peut, on peut faire des trucs cool. Cool. What now? Vas-y, what now? Tu finis le tutoriel?
Peut-être. D'accord, on augmente de niveau avec les persos. Ok, une espèce de maîtrise des persos, je pense. Ça, c'est intéressant. On a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans les coffres? Ah, c'est la question. Coffre en silver. Bon, ça voudrait dire qu'il y en a en or, etc. Et jouer deux games contre l'AI. Ok, très bien. Bon, bah, on a fini le tutoriel. Bah, écoutez, si ça vous a plu, que le jeu vous plaît, n'hésitez pas. Vous mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, parce que je pourrais avoir des clés pour des giveaways, je pense, sans souci. Vous pouvez vous abonner, suivre Facebook, Twitter, etc. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchou! Plein de bonjour!